Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de la construction de notre ordinateur, enfin de son amélioration pour le passer à 6 bits. Et lors du dernier épisode, on avait un souci d'écriture sur de la mémoire sur le bus de données. J'ai vu au montage un problème. J'espère que vous l'aviez vu aussi. Ça se trouve ici où on a communication entre les deux bus là. Hein? Quand j'ai créé ces deux nouvelles choses là, j'aurais dû casser ce système et faire comme ce qui était fait classiquement avec une torche et en dessous un bloc. C'était ici. Que je ne fasse pas de bêtises. Ce qu'il y a ensuite, c'est que, maintenant qu'on n'est plus en direct, il faut une torche pour inverser le signal. Donc, le bus est à 0, ici c'est à 0. Quand il était à 1 tout à l'heure, hop, ça va marcher, voilà, il est à 1, et ici le bus est à 1. Maintenant, déjà ici ça va marcher plus correctement. Donc on va relancer le programme pour voir si ça venait de là ou pas. Alors j'ai relancé le programme et ça ne change rien. Mon bus de données reste désespérément à 0. Donc on va aller chercher peut-être le problème. Alors du côté, là on est sur le bus adresse, la fin du bus adresse, les bits 4 et 5, les nouveaux. La sélection de la banque, de la banque du bas, elle est OK. On a bien le signal qui remonte bien et qui va bien vers les « et ». Donc, ça ne vient pas de là. Alors, j'ai trouvé le problème. Il vient du « et » ici. Où là, on voit que c'est allumé, mais la torche ne s'est pas éteinte. Et le problème, ça vient d'ici, où, là, du fait qu'il y a le virage, le signal ne rentre plus directement dans le bloc. C'est embêtant. Alors, je vais faire venir le signal d'ailleurs. Il faut que je garde cette torche. Visons bien, toc. Le bloc reste ici. Ah non, fait que j'arrive par en bas en fait. Donc ici, tac, tac. Je rentre directement dans le bloc et là, j'ai la torche ici. Ici, j'en ai plus besoin. Et ici, non plus. Donc là-bas, je vais bien rentrer dans le bloc. Là, c'est éteint, c'est allumé. On va attendre que ça s'allume. Hop, ça s'allume, ça s'est bien éteint. Ici, c'est allumé. Là-haut, hop, c'est allumé aussi. C'est éteint, c'est éteint. Et là, c'est bon parce que on n'a pas le même système qu'en bas. On rentre bien directement dans le « et ». Tous les « et » là-haut sont corrects. Voilà, donc on relance le programme une nouvelle fois. Tiens. Petit oubli de nettoyage. Ah, il y en a une autre là-bas. Allez, on va nettoyer ça et on va relancer le programme. Hop, 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 hop. Ah, lecture de l'adresse 0 et on met 12. Donc c'est sur le bus de données, ce qui correspond bien à l'adresse de la mémoire. Mémoire 1, 11, c'est bien le contenu de la mémoire 1.
qui est balancé sur le bus de données. Donc là, j'aime déjà beaucoup mieux. Ça marche mieux. 11. Donc là, on va avoir F. Ah non, il a déjà été lire 4 en fait. Donc pour l'instant, on va considérer que c'est bon et on va s'occuper de du registre d'adresse. Alors je suis resté quand même pour voir si le programme fonctionnait correctement et il tourne bien, il fait bien la boucle. Hein, si vous vous souvenez, c'est une boucle en fin de programme qui fait une soustraction par deux et qui stocke dans la mémoire 2 les valeurs. Et les valeurs, la mémoire 2 ne bougeait pas. Donc là, tout à l'heure j'étais à 9, là je viens de passer à 7. Donc maintenant ça fonctionne parce que lorsque j'ai démonté tout le système en bas, hop, on remonte. Il y avait ici, là c'est le bus de commande pour l'écriture de la mémoire. Et en fait ici, les deux répétiteurs étaient à un tick de décalage. Je vais rajouter ce système-là pour justement prolonger le signal. Et là c'est pas suffisant. Donc en mettant celui-là avec un retard de 2 ticks, ce qui fait que quand le signal arrive ici, il est envoyé avec un tick et il dure plus longtemps, dure un tick de plus. Et ce qui fait que maintenant on écrit correctement dans la mémoire. Donc ça c'est les petits peaufinages de. Nécessaire au système. Voilà notre registre d'adresse. Donc une bête cellule de mémoire, hein, comme maintenant vous connaissez celle que j'utilise. Et on va donc garder celle-ci pour dire que c'est le registre d'adresse de poids faible, là, donc qui alimente les bits 0. Le bit 0, c'est celui-là. Jusqu'au bit 3. Normalement, j'ai une petite pancarte. Ouais, elle est là. Hop. Voilà, bit 0 est là. Et au-dessus, je vais dupliquer ce système et mettre au-dessus les bits de poids fort. Alors, je vais dupliquer tout le système, mais en fait, on va s'en servir que de deux. Uniquement le bit 4 et le bit 5, c'est-à-dire en fait au niveau du registre, le bit 0 et le bit 1. Les autres seront là, mais ils ne seront jamais utilisés. Au niveau de la lecture, on va dupliquer le bus de commande, puisque quand on demandera la lecture du registre d'adresse, on balancera les 6 bits sur le bus d'adresse. Par contre, pour l'écriture, il va falloir... D'ailleurs, j'avais le système qui était dupliqué aussi ici, et oui, avec un tick d'écart. Donc, il va y avoir le bus de données, lui, reste à 4 bits, et donc il y aura un deuxième. Il va falloir se créer un deuxième bus de commande pour dire je balance les données du bus de données dans la partie faible ou dans la partie forte du registre d'adresse. Ce qui va nécessiter, hein, si vous comprenez tout de suite la logique du truc, de modifier tout ça. Et comme on va rajouter des cycles sur des instructions, on va avoir à modifier également cette partie-là. Ça va être chaud. Hein. Bon, on fait la duplication. Allez, on va jouer avec la hache. Bon, là, il faut copier la partie en dessous. Ah ouais, si je fais ça, j'aurais pas la ligne, en fait. Je vais copier ici. Là, on va copier Alors comme on va stacker, on va le mettre quand même assez haut. Faut pas être enquiquiné. Et là, ça me semble pas mal.
Donc, tac. Et stack 1. Hop. Hop. Donc, on va supprimer toute la grâce. Place grâce par 0. Hop. Et pareil pour la dorte. Hop. Alors j'ai perdu de la redstone. Ouais, parce qu'il y avait de la redstone ici là. Sous ce hop, ici, je vais reprendre du rose. En fait, ici, hop, on a de la redstone. Voilà, de toute façon on va tester tout ça. Alors registre adresse, on pourrait limite mettre, donc c'est le bit 4 ici. Il va falloir qu'on l'alimente à partir du bus de données. Lui, ça va nous enquiquiner ce truc-là. Ça, c'est l'ordre d'écriture. Et l'ordre de lecture, pareil, il doit être dupliqué à partir de lui. On va faire le plus simple pour l'instant, c'est de raccrocher donc le bit 4. Alors ils sont inversés. Lui, c'est le bit 4. Celui qui est le plus à gauche doit se retrouver le plus à droite. En fait. Après, au niveau calculer où il faut mettre les répétiteurs, et là on fait pareil. Je le connecte ici. Ces deux-là, on va les laisser tomber pour l'instant, ils servent à rien. Si jamais on doit le passer à 8 bits, hein, ou si vous passez votre ordinateur à 8 bits, bah, ils sont très utiles, mais moi, comme j'ai que 6 bits, j'ai besoin que de ces deux-là. Alors, je connecte ça, hors caméra, bon, parce que c'est pas passionnant non plus. Je récupère le bus de données pour l'amener, amener le signal ici, et je duplique également la commande de lecture donc d'écriture sur le bus d'adresse, je la duplique également. Et puis on se retrouve après.
Alors, voilà le travail. Donc le bus de données, hop, il est remonté hein, à chaque fois. Le même système avec la commande d'écriture sur le bus adresse. Donc un système, un nombre de torches paires, hein, 4 torches. 4 torches, comme ça, on ne dérange pas le signal. Et la sortie, ici, je l'ai raccordée. Donc, on peut simuler l'écriture. Tac, tac, ça a bien été remis à zéro, hein, puisqu'il n'y a rien sur le signal. Si je veux simuler que une valeur sur le bus de données, tac, tac, voilà, mes deux mémoires se sont bien positionnées. Alors on va surtout retirer ce machin parce que voilà. Et si j'ai mis un bouton ici, donc là c'est la commande d'écriture sur le bus d'adresse. Toc. Et ici j'en vois bien. Hop. Alors en bas j'ai 1000. 1, 0, 0, 0. Et ici c'est 0, 0, 1, 1. Donc les deux valeurs dans le bus de données, ce qui fait que les bits 3, 4, 5 sont chargés, ils se mettent bien à jour et tout. J'ai positionné les répétiteurs là où il fallait. Alors bien faire gaffe, toujours quand on les positionne, qu'ils ne soient pas en dessous d'une torche ou avec une torche sur les côtés, sinon après ça cafouille. Et là c'est vrai que c'est un peu un peu chaud. Alors je vais aller remettre à zéro. Hop, ce bazar là. Tac, sinon c'est pareil, bug. Alors il va plus nous rester que ce petit machin là qui est en plan pour l'instant. Mais là ça va être chaud parce qu'il va falloir qu'on se crée une nouvelle ligne de commande. Hein. Donc pop. Ça va être un petit peu poil moins joli, il va falloir que j'aille la tirer par là. Heureusement, on avait laissé de la place. Et là, vu le temps qu'il va nous falloir pour faire ça, je pense qu'on le fera dans le... Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. On le fera dans le prochain épisode. Donc, un petit épisode tranquille. Un petit truc facile, pour une fois. Et puis, ça sera un petit peu plus chaud. Il y aura un peu plus de taf le prochain. Là-dessus, je vous laisse. Amusez-vous bien avec la Redstone. Et puis à bientôt. Allez, salut.